Hey, toi, j'ai une idée. Oui. C'est bien toi qui vas regrouper le maximum de survivants. Bah oui, on est que deux de toute façon. Tu dis pas qu'il faudrait rendre cet endroit un peu plus accueillant et que ça ait moins l'air d'un piège mortel? Ouais. Ouais, bah ça va demander du boulot. Faut sécuriser l'endroit. Faut qu'on ait de quoi vivre en autonomie pour quelque temps. Enfin. Du coup, ça te dit quelque chose ou tu préfères qu'on parte ailleurs? Non, t'as raison. Ouais, c'est mieux. On va faire. Ouais. Faudrait commencer par sécuriser l'immeuble, se créer des armes. C'est ça. Et renvoyer des messages de temps en temps. Avec un peu de chance, on aura les bonnes personnes qui vont venir. Et si ce sont des fadas? T'inquiète pas, je sais comment c'est. Ils feront pas long feu. Très bien, je fais confiance. Ah, ça Enfin, confiance, entre guillemets. Tant que tu m'es utile, il se passera rien de mauvais pour toi. Ça te rassure pas, non? Non. Mais bon, je crois que je commence à m'y faire. Au moins, tu rassures tes gardes, c'est quelque chose de bien. Bon, on commence par quoi? Fiberglass, il en faut. Ouais. Si on veut sortir dehors pour récolter de quoi renforcer l'abri, premièrement, il nous faut des armes. Ouais, et eh ben écoute, niveau fiberglass, on est bon. Tu sais comment faire des armes? Moyennement. Mais bon, je sais quand même me débrouiller, quoi. Ouais, moi aussi j'ai appris ça vite fait. Attends, je vais vous barricader l'endroit parce que là. Même si c'est rudimentaire, ça nous sera utile. Ce serait bien d'avoir du bois. Une AK-47, c'est fiable et ça a de la gueule devant les gens. Les fusils à pompe sont pas mal non plus. Faudrait qu'on aille récolter du bois pour ça. La P90, c'est vraiment sympa. Elle tire vite. Et elle a beaucoup de balles. Il me faut de voilà de la poudre à canon. Dites-moi si vous en avez besoin aussi. Ah, moi j'aurais besoin de bois. Ah, le bois, moi j'en ai que deux. Ah, faudrait aller en chercher. Bah d'abord on fait ce qu'on peut avec. On fait déjà ce qu'on peut. Moi j'avais commencé à me créer un petit USP. Ouais, faire une chez 3, mais j'ai déjà plus de fer, ça va vite partir. Je propose que je retourne casser du fer dans le centre commercial et attends, moi je vais aller chercher du bois, j'en ai bien besoin. Il y a un matériel un peu de bricolage aussi dans le centre commercial si vous avez besoin de bâtons. Ah bien. Ah, j'ai quelque chose à récupérer chez moi, on se retrouve ici du coup. Très bien. Putain de nature. Un pack, vous me recevez? Ouais, 5 sur 5. Ok. Je voulais tester la fréquence pour voir si elle marchait encore. Elle marche au poil. Si vous avez un problème, appelez-moi. Ou un survivant trop gênant, surtout. D'ailleurs, je vous ai jamais demandé, vous auriez tiré sur quelqu'un de trop gênant? Ou trop agressif? Je crois que si vous auriez fait un tir de plus,
je vous aurais pas rejoint en haut. C'est déjà un miracle que vous m'ayez rejoint. Des fois j'ai du mal à comprendre les gens. Oula, c'est bon. Ah non mais là je fragilise trop la structure là. Attends. Faut vraiment que... Eh ben, j'ai récupéré mes vieux outils. Une batte de baseball et une dague en fer. De quoi planter quelqu'un, quoi. Très bien, donc j'ai fait beaucoup de bouts de fer. On aura qu'à coller ça et ça ira, je pense. Vous avez récolté le quoi de quoi faire? Énormément de fer. Sans mauvais jeu de mots. Non, c'est bon. Alors... M16, est-ce que c'est bien ça? C'est marrant, ouais. Elle bouge pas trop. La P90. Comme je vous l'ai dit, un bon gros chargeur pour une bonne cadence de tir. Bon, bah j'ai déjà... Eh ben, j'entends via la radio vous faire frapper. Ils ont une sacrée voracité ces trucs. Hein, le soleil commence à se coucher. Déjà? Ouais. Je vois pas dans votre appartement, c'est... Vous êtes là ou pas? Ouais, je suis parti un peu plus loin. Bon. Je vais tirer quelques coups de feu. Très bien. Ah. Je préfère éviter en fin de compte. Eh ben... Il me semblait pas qu'ils étaient aussi coriaces quand ça a commencé. Ils sont toujours plus nombreux. Et ils sont de plus en plus forts surtout. Bah c'est de la logique. Non. S'ils deviendraient plus forts, ça voudrait dire qu'on serait voué à disparaître. Parce que c'est pas le cas là. Non. Le casque de mon collègue, faut que je repose. Heureusement qu'il y a des gars comme moi pour assurer l'espèce. Ouais, enfin, si c'est pour perdre l'humanité. Si c'est pour perdre notre humanité, pardon. J'ai déjà plus de fer. Faut y retourner. Moi il me faut vraiment du bois. La dernière chose que je ferai cette nuit, après je me couche. Allez, go! J'ai encore beaucoup à faire, moi. On y va. Punaise. Ah! Voilà, je commence à m'y faire, ces armes. Il en veut lui. Ben voilà, il est servi. Vous avez beaucoup de ces choses sur vous ou pas? C'est-à-dire, quelle chose? À votre avis. Okay. Ah, des pots de colle. Bien sûr.
Non, ça va. Pourtant j'ai tiré. Ah bah moi j'ai pas été gâté. Si vous avez besoin que je vous couvre, hein, n'hésitez pas, je suis là. Non. Même si je me fais pas de soucis pour vous. Je sais pas si je dois prendre ça comme de la confiance. Le jour où vous me sauverez sincèrement la vie, je vous ferai confiance. Ah. Ah, mauvaise nouvelle. C'est quoi ? Il y a une horde qui passe dans la ville. Ah. J'ai dû la tirer. Je suis dans l'immeuble. Vous êtes pas de nuit, vous ? C'est juste que ça fait 2 jours que ça fait... Ouais, bah j'ai pas dormi la nuit dernière, donc... Bah, à cause de ces fichues blessures, là. Vous les avez eues comment ? Alors, vous avez l'Alzheimer, hein, c'est pas possible. J'ai tendance à vite oublier les blessures. Ça va. La horde est pas très loin. Je vais me coucher, moi. Ok. Vous attendez pas à me voir. Très bien. Bah écoutez, hein, je dors. Je dors dans le grand lit. Ah putain. Bonne nuit. Vous aussi.